Initial. Monsieur, Paulus. Monsieur le Président, écoutez, euh, Monsieur le Président, depuis deux heures, on tourne euh, autour du pot actuellement. Là, ce qu'on peut voir, on a des reproches euh, des collègues libéraux d'autre côté, de voir euh, mes éminents collègues, m'accompagner ici au comité de justice. Mais si on est ici aujourd'hui, je crois que c'est le sujet d'une importance capitale pour les Canadiens. Depuis des, deux heures, euh, ma collègue Calais a mentionné qu'on faisait ça pour les médias, qu'on était ici pour impressionner la galerie. Mais je crois que fondamentalement, c'est beaucoup supérieur à, à vouloir impressionner les médias. On parle ici d'état de droit, comme j'ai mentionné plus tôt dans le, dans le meeting. Je veux revenir au sujet de la motion actuellement et de l'amendement de mon collègue. On nous reproche d'avoir soumis, qu'on n'a pas pu déposer une motion, qu'il a des noms de personnes qu'on veut convoquer. On nous mentionne que ça devrait être fait à huit lots. On nous dit euh, à huit lots, on discute des témoins qu'on veut convoquer, on les convoque après. Mais là, on arrive avec la motion qui est déposée, qui nous, qui nous est mise dans le fond de la gorge là, par les libéraux aujourd'hui, pour nous soumettre des noms. Donc, il y a une réunion à huit lots des libéraux, avec qui on ne sait pas qui, qui a été fait. Puis ces noms-là ont été soumis. Il y a des gens qui. Là, on parle du ministre de la Justice et procureur général, qui a accepté de comparer, qui a accepté que son nom apparaisse dans la fameuse motion. Nathalie Drouin, la sous-ministre de la Justice, et Michael Wernick, le greffier du conseil privé. Donc, à huit lots entre eux on a décidé de proposer ces noms-là dans une motion. Et là, aujourd'hui, on nous dit « ben là, maintenant, il faut être à huit lots pour discuter des autres. » Mon collègue John pd propose des noms. Non, on ne peut pas en parler. On, va, on vient de nous dire on va voter quand parce qu'il faut en parler à huit lots. Pourquoi il n'y a pas eu de discussion qui a été faite avant avec ces noms-là? Donc, vous voyez, M. le Président, actuellement, c'est vraiment une farce qui se passe aujourd'hui. On est vraiment dans une situation qui est grave. On, on dit, M. Boissonneau, je crois Monsieur M. McKinnon a mentionné que Bob Five, Stephen Chase les journalistes professionnels du Globe and Mail auraient fait une fake news avec cette histoire-là. Ce qu'on voit, là, on essaie de nous emmener ailleurs. On essaie de nous emmener dans des, des zones, là, que finalement, tout ce qu'on nous parle, on parle de chakras, on parle du, euh, l de l'accord de, de réparation. Tous les sujets qu'on parle aujourd'hui, c'est les sujets qui veulent être amenés par la motion. On a fait le tour de la situation, ça fait deux heures. Puis là, je fais pas un spectacle, c'est ma façon de m'exprimer. Je suis un bon Québécois, je parle comme ça, OK donc pour moi aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est vraiment de rire des Canadiens. Je crois que ce qui avait été déposé par l'opposition, les deux partis de principalement les conservateurs avec notre motion, était noble dans le sens du droit, de l'état de droit. Et on a un problème. Une procureure générale du Canada qui s'est fait démettre de ses fonctions par la banque, qui a démissionné hier, c'est grave. Puis là, on essaie de jouer avec d'autres choses et de prendre des procédures, des procédures, des procédures. Je crois qu'on doit aller au fond des choses et régler ça le plus rapidement possible. Merci.